Et salut à tous, on se retrouve encore une fois pour un vlog connerie. Cette fois-ci, on est chez moi. Vous devez bien m'entendre parce que juste ici, j'ai mon micro. Je me suis rendu compte hier que le micro fonctionnait sur mon téléphone. Pourquoi, je sais pas. Mais c'est bien parce que du coup, le son est bien meilleur. On est encore chez moi. Je vais partir d'ici environ 30 secondes. On va aller chercher Tom et puis on va aller fêter son permis parce que ça y est. La dernière fois où il conduisait sur le parking, là, il l'avait pas, maintenant il l'a. Et c'est lui, il va rouler. Donc on va voir. C'est parti. On est arrivé chez lui. On a juste à attendre qu'il sorte maintenant. Il avait soif, il a déjà fini son verre. Il est parti le verre. J'ai mangé. On est où? Chez ta maman. Non, chez mon papa pour le coup. Ah bah oui. Et donc on est où? Vas-y, faisons de la pub gratuite. La maison de la bière. C'est pas cher, pas cher. Comme les chameaux. À Reims. Et oui, on est encore à Reims, pas encore à Paris. Mais un jour, je vais me ramener à Paris, on va passer un week-end à faire des cons, mais sur Paris. Un week-end? Plusieurs week-ends. Moi, j'habite à Paris maintenant, en semaine. Peut-être moi aussi. Alors, connasse. Pas même si pour l'instant, non. Et maintenant, on va aller manger au... KGB. Bah, pas au kebab. Ah, bah si. Le gars, il a tellement de mauvaise mémoire. Il a tellement la mitrude aussi. Mais c'est vrai, on y va à chaque fois. Oui, on va toujours au KGB, c'est à côté. Bon, du coup, on va devoir y aller. Allez, on y va. Je sais pas si je suis cadré. Allez, au revoir. On a voulu réitérer les caddies. Mais là, ils sont différents. Mais là, ils sont différents. C'est plus des chariots ou alors ils sont plus petits. On n'est pas sur le même parking. Et là, il fait jour. À peu près, ouais. Non, mais regarde sur le portable, il fait bien jour. Hein. Ouais. Ouais, c'est clair. Hein, parce que... Bah oui, c'est clair. Ouais. Donc cette fois-ci, on est dans ma caisse à moi. Et c'est moi qui conduis. C'est lui qui fera des conneries au McDo tout à l'heure quand on sortira du Cinoche. Bon. Parti pour les conneries. Allez, let's go! Il y a des jeux pour enfants! Oui! Je suis assis! Il y a... Ah, le CD, le passage! Il vérifie même pas! Il y a un Dodan! Oui, le Dodan! Ah oh, putain! Et je suis pas tenu en plus, c'est super vite, c'est juste un chariot. Vous voyez? Ah, c'est con, ils sont fermés les jeux pour enfants! Si, regarde, c'est fermé. Ouais, non. Mais si. Je vais faire la balançoire. Ah, du toboggan. J'espère que vous avez pas la gerbe, hein. Il y a des palettes là-bas. Je sais pas ce que ça rend dans ce sens-là, je sais pas si je suis cadré. En plus, je tiens de la main gauche, donc je tremblote. Il y a une palette là à gauche. Il y a une palette là-bas, juste derrière. Je sais pas si on la voit la vidéo, mais on la voit. Ah, c'est si gros que ça? Voilà, c'était court, mais comme t'habites. I was obliged, sir. No, I'm not sorry. In fact. I don't give a shit. Du coup, on va faire quoi? Double vitesse sur car. Yep, rigoler turbo. On va faire. Alors, en fait, sa voiture, c'est une Seat Ibiza 90 ou 75? 2003. Elle est de 2003. 75 chevaux. Mais c'est une 75 avec un turbo compresseur. Enfin, c'est pas un moulin d'origine. C'est un 16 ou pas. Et de toute façon, le moteur, c'est pas un moulin d'origine, si? Si. Si, mais moteur Volkswagen. Ah, Seat, ça appartient à Volkswagen depuis quoi, une dizaine d'années? Tu vas le faire là? Alors du coup, on voit rien. On l'a entendu gueuler. Mais bon, il y a du monde et tout. Tu peux le faire dans la... Alors si tu veux, la sortie, quand on va vers Ikea.
La ligne droite, on a fait demi-tour. Rue, on vient de sortir du Gumon, du cinéma. Bah ouais, du coup. Et nous avons été voir Captain America Civil War. Exactement. On va faire une critique rapide, on n'est pas des spécialistes du cinéma, on aime juste aller au cinéma. On y va très souvent. Ouais, on y va souvent, on y va deux fois par mois. Alors, il fait une noir dehors. Alors, vas-y. Moi j'aime pas trop Captain America, le personnage. De base aussi. Voilà, j'ai vu le premier, j'ai pas aimé. J'ai entrevu le deuxième, il y a eu un deuxième, hein, on est d'accord. Ouais, Soldat de l'hiver. Et voilà, j'ai pas aimé. Et étonnamment, là le personnage, ça va. Plus charismatique que les précédents. C'était le même acteur ou pas, je sais plus. Mm-hmm. Oui, c'est le même acteur. Okay, bah, bizarrement, je recadrerai bien. Bizarrement, il est un peu, je le trouvais un peu plus charismatique que sur les autres films. Et le fait qu'ils soient entourés d'autres personnages que j'aimais bien, on va vous dire qui, hein, c'est le but. Dans la bande-annonce, on le sait, mais on sait principalement qu'il y a Iron Man et Captain America. Ça, c'est les deux camps. Voilà, c'est les deux camps. Le fait qu'ils soient entourés d'autres personnages, des Avengers en règle générale. Ça m'intéressait, pourtant Avengers j'aimais pas non plus à la base, hein. Après les Marvel je commence à apprécier particulièrement à cause de lui. La 3D est bien faite, elle est bien gérée. Il y a juste un moment où ça m'a fait mal aux yeux, je sais pas pourquoi, j'arrivais plus à me retrouver dans l'action à cause de la 3D. Et ça a duré une seconde à peine. Et je pense que les caméramans ont Parkinson. Alors je sais que c'est un film d'action et qu'il faut suivre les acteurs, mais la tendance a beaucoup trembloté. Ouais, mais ça c'est pour donner du mouvement, du punch à l'action. Je suis pas super fan non plus, mais c'est vrai que sans ça l'image elle serait un peu fade. Ça bougerait pas trop. Elle est pas fade, si tu suis l'acteur, mais en plus de suivre l'acteur ça tremblote. Ça fait beaucoup de haut bas pour rien, tu suis juste la tête de l'acteur. L'acteur, évidemment il bouge, tu le sais, tu vois les mouvements, mais sans non plus te filer la gerbe. Les Marvel, toujours en fin de film, il y a toujours un petit caméo qui fait un petit appel. Et c'est là qu'on voit les noobs qui connaissent rien parce qu'ils se barrent avant. Ils se barrent pendant le générique alors qu'il y a un caméo après, on sait tous, hein, c'est Marvel. Mais moi je le sais, c'est dire. Il y en a toujours après et qui balance quelques petites infos sur le film suivant. Ouais, donc là il y aura forcément une suite. Bon, moi le film en lui-même, je l'ai trouvé sympa, mais il y a pas mal de choses qui m'ont dérangé. Il y a le personnage de Spider-Man. Dans la bande-annonce, de toute façon, on voit. Je trouve vraiment que son costume fait super cheap, fait pyjama. Et puis le perso en lui-même, il m'horripile dans celui-là. Il fait kikou. Autant dans les trois premiers, là, avec Toby. Là, c'était. Toby Maguire. Maguire, ouais, je le trouvais super cool le truc. Après, dans The Amazing, j'ai pas regardé parce que ça m'a pas intéressé du tout. Alors, on est. Ouais. Magdal. Cette fois-ci, c'est lui qui conduit. Cette fois-ci, c'est lui qui va trouver des conneries à dire. Ah, c'est sûr que dit comme ça. McDonald's, bonjour, je vous écoute. Bonjour, alors je voudrais un iced tea sans glaçon et un coca. Un iced tea. Un petit, moyen, grand. Un grand. Sans glaçon. Un grand avec ceci. Et un Coca-Cola, s'il vous plaît. Un grand et sans glaçon aussi. Un grand Coca sans glaçon avec ceci. Ce sera tout. Bonsoir. Il y a le sans contact. J'ai pas trouvé de jeu de mots avec son contact. Non, c'est des chiffres à la place. D'accord, avec ça c'est vous aussi. Merci. Ah, vous aussi. Allez, salut. Vous avez pas mis de glaçon. Bonsoir. Merci bien. Ah, vous aussi, poney. Y'en a pas, quand tu touches, y'en a pas. Tu vois. C'est bon. Bon, je suis décédé. Bon, on vient de faire un petit footing d'une demi-heure là, à peu près. Dans les fautes verdes. Et ça fait trop longtemps que j'ai couru. Alors un truc pour précision, là il fait beaucoup plus jour que la dernière fois parce qu'on s'est vu samedi et là on est jeudi. Ouais, là il fait 22 degrés tu vois, avec un soleil de plomb. Même dans la forêt ça tape quand même. Bon, moi je suis habitué à courir donc ça passe, je suis pas trop essoufflé ni rien. Mais bon. Moi ça se voit ma gueule, je sais pas si avec le reflet on voit que je suis tout rouge. Si si. Voilà hein. Je souffre. Là, va... trop... Je suis pas quelqu'un de particulièrement endurant de base en plus. Je parle en termes de sport. Voilà. Ok. Mais oui, ça fait des années que j'ai pas couru. Je suis pas quelqu'un de sportif. Attention, ça se voit. Attention, attention, en droite.
Ouais, il y a un panneau. Ça se voit ici que je suis pas particulièrement sportif, mais justement, je m'essaie de m'y mettre un peu. Et c'est pour ça que je suis là. Parce que moi, je suis sportif. Nel, fail. Non, je vais essayer exprès. Putain. Pour juste faire du bruit et pas... On fait joujou avec la voiture aujourd'hui. N'importe quoi, il dérape tout à l'heure. Sur les graviers. Ouais, 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 tout à l'heure, ça m'amusait. T'as failli te manger un poteau tout à l'heure, là. Tu es pas sur le bas-côté. La route à 30, tu la prends à 90. YOLO. Bah du coup, on risque pas de vivre longtemps, c'est le cas de dire. Mais... Allez. Nous, on fait du sport pour crever, pas pour allonger notre durée de vie. Voilà. Et là, on va acheter des conneries à Calra. Tu vois. Et Bah on va essayer de... Et à boire aussi, à boire. Là on va descendre, on va redescendre chez moi. Ok. Parce qu'on est, on est à côté de chez moi, on est le village au-dessus de chez moi, je dirais pas le nom pour ma propre sécurité. Voilà, attention. Autour de Reims, hein, vous le savez. Oui. Ça, c'est pas une surprise. Ouais bah oui, vu que toutes nos vidéos se passent à côté de Reims en fait. YOLO. Ça va toi au milieu de la route? Ouais, qu'est-ce qu'il branle lui? What are you doing? Motherfucker. Motherfucker. Ah, tu baisses ton moteur, toi, t'es comme ça. Ah oui? Quand je fais gueuler la future. Attention. Bon, bah allez, à tout à l'heure du coup. Ouais. Re, alors on est... Dans la forêt. Dans la forêt. Alors, on est filmé par... Enfin, là actuellement, je suis filmé par Tom. Mais par la GoPro. Donc il l'a accroché en harnais, donc c'est pour ça que vous, il y a peu de chances que vous le voyez. On voit que mes mains, quoi. Vous allez voir ses mains. Donc mon nouveau joujou. Hop. Un petit ça. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà. Alors précision, c'est une réplique de Airsoft, c'est pas voilà, une vraie arme. C'est pas un vrai. Donc Airsoft, c'est pistolet à billes, mais avec du gaz. Ça m'a fait peur ce con. Mais avec du gaz et pas des trucs de fête foraine. Des trucs de qualité. Qualité. Voilà, ça c'est un Sig Sauer 1911, l'équivalent d'un M1911 en fait, hein. Je crois bien. La sécu. Deux Sig Sauer. Hein? Deux Sig Sauer. Ouais. Donc bon, il est lourd mais il est cool, comme premier truc. Bon, nous voilà de retour. Donc là il y a Alexis qui est là-bas, il attend que je lui tire dessus avec ça pour tester. Donc on l'a déjà fait tout à l'heure et je dois dire qu'il m'a tiré en plein milieu des omoplates et je morfle comme pas possible étant donné que j'ai juste un t-shirt et un sweat. Ouais t'inquiète pas, je vise pas le coup, comme toi, pas comme toi tout à l'heure. Cué, il m'a touché le cou tout à l'heure, ça fait trop mal. Là je l'ai vu aussi en plein milieu. C'est là où je me suis fait tirer dessus tout à l'heure aussi par toi, hein. Ah bon? Bah oui, en plein milieu. Je suis pas au courant. Hein. J'ai voulu tirer dans le cul, mais ça a loupé. De là où tu viens de tirer, juste avant. Allez, à toi. Ouais. Alors c'est au tour de Tom. Alors je vais tirer, mais il s'est dit... Pourquoi est-ce que tu recordes, il dit ce con? Non, je sais pas si on voit bien. En théorie, ça devrait être bon. Si lui dirait dans le cul. Dans la fesse. Il m'a touché trois fois, je vais le toucher trois fois. La fèche. Milieu du tout, tout pile au milieu. Ah ouais. Ah nous sommes des bons. On est dans la forêt. Il commence à faire nuit, je sais pas si on le voit. Enfin, on voit pas grand chose, il a la lampe torche. C'est quoi ça? Tom? Je crois qu'il est parti pisser, ça serait bien qu'il revienne. Tom! Putain, il y a du bruit. What? T'as l'impression qu'il y a une bestiole. Tom, reviens! C'est quoi ça? Ah allez, on va aller au bowling, on va pas filmer sur place comme on vous a dit juste avant, on va pas recorder ce qu'on a déjà fait. Mais on va se suivre comme il a sa bagnole et j'ai la mienne. Allez, let's go. Enculé. Putain, il fait le stop, je rêve.
parti. Alors s'il connaît vraiment bien la route ou pas. Alors, je me souviens de passer par là, mais... Moi si je passe par le rond-point, vous voyez, je suis là. Et je suis devant lui. Il va me redoubler après. Hein. Ah bah le v'là. Allez. Allez. Voilà. Let's go. Salut. Ah la vache, toutes les tentatives que je lui ai laissées en me foutant sur le côté et tout, pas moyen qu'il comprenne ce con. Il s'est poussé. Tout à l'heure il me fait oh va devant, je connais la route mais va devant. Ah bah je vais bien moi. Ah c'est ouvert. Wouhou. Aïe! Arrête! Adrie. Ah le bâtard! Si Marie me regarde, alors sache que oui, j'ai les cheveux plus avec toi, et je m'en fous. Et voilà. Tu veux une quatrième vidéo pour le bonus? C'était la boisson, ouais, j'ai raison. Parce que. Cinquième vidéo pour le bonus?